Bonjour à tous, c'est Pastille et j'espère que vous allez bien. Bonjour Mika, comment ça va? J'espère que tu passes un bon dimanche. Bon, alors, je voulais faire ce jeu mais j'avais oublié de l'installer. Et quand j'ai voulu commencer le live, ça a pris un petit peu de temps d'installer le jeu, à peu près une bonne vingtaine de minutes. Salut Erixda, c'est que je commence un peu plus tard que prévu, mais c'est pas grave, on est là. Alors c'est un jeu qui est un petit peu, on va dire, original. Il a été fait par l'Institut de la du Souvenir National de Pologne. Et c'est un jeu qui nous plonge dans un épisode de la guerre entre la Pologne et l'URSS en 1920, dans lequel on va devoir déchiffrer des codes secrets et utiliser des machines de l'époque qui ont été reconstituées fidèlement. Et ça va nous permettre de faire un jeu super intéressant et puis de voir comment ça se passait la guerre en 1920 là-dedans. Alors c'est pas des combats, c'est que infiltration, espionnage, tout ça, mais. Voilà. Un peu fatiguée, Mika. Ça va, c'est dimanche. Wow, le dimanche, c'est quand même bien. Je trouve que c'est une belle invention, le dimanche. Alors, c'est un jeu qui est gratuit et qui existe aussi en VR. Gratuit aussi en VR, d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'y avais joué quand il était en développement. Il n'y avait qu'une petite partie du jeu et tout était en polonais. J'avais rien compris. Mais j'avais trouvé ça vachement sympa. Et maintenant, c'est aussi en anglais. Donc, et ils ont rajouté plein de choses dans le jeu. Donc, on va voir ça. Commencer le jeu. Nous sommes au début d'octobre 1920. Ah, c'est. Vous me direz pour le son? Ouais, bon, To bój o jej niepodległy i całkowicie suwerenny byt. Po sierpniowej wielkiej bitwie na przedpolach Warszawy i kontruderzeniu znad rzeki Wieprz, bolszewicy są w odwrocie. Na Wołyniu nowo utworzony korpus jazdy pułkownika Juliusza Rumla ma za zadanie zdobyć miasto Korosteń. To ważny węzeł kolejowy, który jako baza techniczna i zaopatrzeniowa ma dla armii bolszewików kolosalne znaczenie. Jego zniszczenie sparaliżowałoby całkowicie komunikację na tym odcinku frontu. Przeszkodą dla polskich oddziałów są sowieckie pociągi pancerne, budzące postrach wśród żołnierzy doskonale opancerzone i uzbrojone jednostki zaciekle bronią okolic Korostenia. Sowieci nie wiedzą jednak, że dzięki złamaniu szyfrów oraz ciągłemu nasłuchowi radiowemu Polacy kontrolują sytuację. La musique est épique. Alors pour moi, c'est légèrement fort. Vous me direz pour vous si c'est ok. Gra szyfrów. Gra szyfrów. À peu près. J'espère que ça va marcher. J'ai l'impression que ça lague un peu. Alors pour continuer avec le contexte, c'est une guerre qui a été dont la victoire a été revendiquée par les deux parties, Pologne et l'URSS. Oula, Zacznijmy od początku. Nazywam się Jan Kowalewski. Ah, désolé W pour ça. lipcu 1919 roku, jako świeżo upieczony porucznik, zostałem przydzielony do służby w oddziale informacyjno-wywiadowczym. Zazwyczaj pracowałem w Pałacu Saskim. Tym razem jednak wieczór spędzić miałem w radiostacji warszawskiej w Cytadeli. To właśnie wtedy zmieniliśmy oblicze. Coupé la chic. Bon, c'était un petit peu dur pour les No i pięknie. Prąd znowu szlak trafił. Ah, je savais pas qu'il y avait les sous-titres français. Wiem, wiem, już działam.
Chociaż nigdy nie uruchamiałem tego silnika. Trop bien, c'est nouveau. Tu gdzieś powinna być latarka. Establissez le courant électrique. Comment je me déplace? Comme ça. Co my tu mamy? Qu'avons-nous ici? Rien. 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 Ouais, c'est très sombre. Hein. Pour l'instant, on cherche une torche. Par contre, sur mon retour, c'est encore plus sombre. Attendez. Son. Hein, il n'y a que ça. Ok. Bon, bah, on va essayer de trouver la torche. Si vous avez vu un truc que j'ai pas vu dans le menu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Ça, c'est quoi? Une photo? Ciekawe. Qu'est-ce que c'est que ça? Sam już nie wiem. Ça, ça a l'air fermé. Ah ah! Manuel d'instruction pour le diesel. Ok, ouais, on voit vraiment rien. Heureusement qu'il y a des petits trucs en surbrillance. Ah, on a soulevé la torche. F. Oh, c'est un petit peu mieux. Oh oui, on va redémarrer le truc. Démarrer le moteur diesel selon le manuel d'instruction. Là, il n'y a rien. Là, il y a quoi? Une clé. Ok. Alors, comment on trouve le l'équipement? Bon, c'est pas ça. Objet suivant. D. Focus. Dévisser. Deuxièmement, baisser et attendre 10 secondes. Alors tout ça, c'est des machines qui existaient. Hein. Salut Jafet. Tout ça, c'est des machines qui ont existé. Monter le truc. Passer rapidement au point 4. Monter le et passer rapidement au point 4. Et dévisser. D'accord. Comment on sort de là? Hop. Zawór powietrza odkręcony. Faut attendre 10 secondes. Ça a l'air de démarrer. J'ai pas oublié un truc entre temps. Ah, faut baisser et monter. J'espère que j'ai pas tout cassé. Teraz szybko, zawór paliwa. Ok, il est où le point 4, c'est ça? Jest paliwo. Musiałem pomylić kolejność. Ah. Ça, je peux pas monter ou descendre en fait. Znowu coś nie tak. Ouais, ouais, attends, on va tout recommencer. Et heureusement que le patron n'est pas dans la pièce. Dévisser ça, baisser et attendre 10 secondes, monter et aller au point 4. Ok? Ah, celui-là, il est resté dévissé. Je le monte. Musiałem pomylić kolejność. Znowu coś nie tak. Ale du coup, moi je sais plus où c'est en l'air ou. Instrukcji. Là, c'est en bas.
Là, j'ai que deux. Musiałem pomylić kolejność. J'ai que deux possibilités. On a tout cassé. Ok, donc celui-là, il est fini, il est dévissé pour de vrai. Znowu coś nie tak. Jak to było w instrukcji? Je sais comment on l'a expliqué dans le manuel d'instruction. Faut baisser. Musiałem pomylić kolejność. Attends, je referme. Coś nie tak. Je rebaisse. J'attends 10 secondes. On voit un tout petit peu mieux quand même. Les 10 secondes sont passées là, non? Teraz szybko, zawór paliwa. Jest paliwo. To już połowa sukcesu. Ah, ok. Teraz, tak, tablica elektryczna obok. C'est ça le tableau électrique? Tableau électrique. Mince. WES. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai les bons. W et S, ça correspond à quoi quand je change les contrôles? Je sais plus. Si c'est en QWERTY, W c'est Z. Ok, Z et S, faudra que je fasse. Ok. Il n'y avait pas des fusibles qui traînaient quelque part? Ça, c'est pas des fusibles, ça? Maintenant qu'on y voit plus clair, c'est quand même plus facile. Hein. Ah, ça s'est fermé. Alors, attendez. Objet suivant. J'avais une clé, non? Ça a ouvert tout seul? Ouais, ça a ouvert tout seul. Ok, je les prends tous. Chez Daché. Très bien. Ok, celui-là il est bon. Alors, Z. Do trzech razy sztuka. J'avoue que je comprenne. Ok. Pas trop, pas trop. Ah! Oh là là, il est sensible. Salut Nikonilis, comment ça va? Un vieux tableau électrique des années 20. Hop, pas trop, pas trop. Pas trop, pas trop. Oh là là, c'est sensible. Ça y est. Pradeloku, pierwsze koty za płoty. Yes. Trzeba uruchomić radiostację. Ok. On y voit quand même un peu plus clair alors. J'ai même plus besoin de la lampe. À quoi ça ressemble ici? On a une vieille machine à écrire. On a un espèce d'atelier. Ok. On a notre générateur, le tableau électrique, on a vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Je me permets de visiter puisque c'était les trucs de 1920. La base de données de l'époque. Il y a un petit fusible là, tiens. Je prends. Ça peut être utile. Eagle Eye. Ok, il n'y a rien d'autre de caché là-dedans. Ah,
Les affiches, propagande. Et donc, cette guerre entre la Pologne et l'URSS, en fait, elle a éclaté à la suite de la Première Guerre mondiale. Et l'URSS a voulu récupérer la Pologne pour la rendre soviétique et tout ça. Et puis les Polonais, ils ont réagi. Attends, il n'y a pas un autre. Ouais. Na korytarz. Po co je zamknęli? Et finalement, ils ont réussi à empêcher que la Pologne devienne soviétique, mais ils ont perdu une partie quand même de leur territoire. Donc il y a une sorte de négociation, fin de la guerre. Et du coup, les Polonais ont considéré qu'ils avaient gagné, parce qu'ils avaient gardé quand même la plus grosse partie de leur pays. Et les Soviétiques ont dit qu'ils avaient gagné aussi, parce qu'ils avaient récupéré du territoire. Et voilà. Voilà, à quoi ça sert tout ça? Ça va lentement. Ben moi, ça va très tranquillement aussi, hein. Lève as głowy. Mettez sous tension les antennes au fond du couloir. Moi, il est content. I gotowe. Et voilà. Activez l'alimentation de l'appareillage dans le bon ordre. Ok. C'était des grosses machines, hein. Maintenant, quand tout est miniaturisé, on ne se rend pas compte, mais. Il se passe un truc là. Ça, c'est quoi? On sait pas. Ça, c'est des leviers. Je trouve que la souris est un petit peu trop sensible. Bon, alors, c'est du gaming relax, hein. Le gros truc, c'est une lime à ongles. Voilà, c'est ça. Électrique, moderne. On ne peut pas lire ça. Ah, le manuel. Obtenez la clé du couloir. Ça y est. Mettez sous tension les antennes aux extrémités du couloir. Ça y est. Allumez l'alimentation dans le bon ordre. Définir les fréquences sur le filtre principal. Vous pouvez utiliser l'appareil dans la salle de réception. Ok, allumez l'alimentation dans le bon ordre. Mais il y a un ordre. C'est pour le Morse, ça, non? Les télégrammes. Écoutez, on va y aller au pif, hein, du coup. Hop, hop. Quel était cet ordre? Je sais pas. Ok. Cherchons. Ingénierie radio au service de l'armée polonaise. La première station de radio permanente reprise à l'armée d'invasion austro-hongroise a commencé à diffuser des radiogrammes en polonais. Ok. L'énergie était fournie par un moteur électrique connecté au réseau de la ville ou en cas d'urgence par un générateur de secours alimenté par un moteur à combustion interne. Est-ce qu'on peut focus là-dessus? Sur le derrière? Non. Ok, en plus c'est en polonais. Je connais SOS. J'avais commencé à apprendre le morse parce qu'il y a des super applis pour apprendre le morse avec des exercices et tout. Mais j'ai un peu laissé tomber. Bon, là, il n'y a rien d'autre. Fusible, ok. S'il n'y a pas d'autres infos, bon, je vous propose qu'on essaye encore au pif, hein. Vous connaissez le morse? Udało się. Ah, ça y est.
Alors, où vont les fils? Celui-là, il tourne toujours. Il y en a un qui arrive là. Mais là, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Ah, ça bouge. Tous les fusibles. Il n'y a rien. SOS. Voilà, SOS, c'est quand même, ça peut toujours être pratique. Hein. Si vous êtes séquestré dans une petite, dans une cave et que vous tapez SOS sur les tuyaux, peut-être que quelqu'un vous entend. Bon, peut-être le séquestreur aussi, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Régler les fréquences sur le filtre. Waouh. Bah, essayons. Ok, donc ça c'est pour aller à droite ou à gauche. Et ça. Ça monte. Ça s'arrête de monter. Ça s'arrête de monter. Ça monte pas du tout en fait. Ouais, là ça monte beaucoup trop. Tout va exploser. Non, non, descend. Tout a explosé. Bon, ok. Je trouve que celui de droite, il est vachement sensible. On va du coup commencer par celui de droite. Ça bouge pas en fait, il n'y a que celui de gauche. Ah, c'est un peu trop. Ah. Ouais, c'est un petit peu trop si je baisse celui-là. Je peux pas le baisser plus et si je baisse celui-là. On n'était pas loin. On te rappelle de ces vacances en Tchéquie. Alors on va commencer par celui-là. Ok, de celui-là. Celui-là qui a l'air bien sensible, on va lui en mettre qu'un. Et celui-là. Ah, on est bien là. Voilà. Descends. Monte. Descends. Ah, ces appareils, c'était quelque chose, hein. Monte. Allez, courage. Faut tenir 5 secondes. Ok. On a réussi. Donc on est chez notre collègue. Et maintenant il peut recevoir des messages, ok. Craquer le code délégué. Il y a aussi ma dépêche. Un mot caché quelque part qui en russe contient trois lettres I. Ok. Ok, donc le peigne permet de craquer le code. Ok, donc trois lettres I, il faut trouver... Ça aurait pu marcher. Il faut trouver une combinaison où il y a trois fois le même chiffre. Là, il y a trois fois le même chiffre, par exemple. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ah, c'est marrant, hein, d'utiliser un peigne avec tes dents cassées. Un mot qui contient trois fois la lettre I. Et il n'y a aucun espace.
Et pourquoi il y a 5, 9, 1, 3 qui est en toi et à droite? En haut à droite? Muszę znaleźć trzy takie same Ah, palce. trois paires de chiffres identiques. C'est des combinaisons qui font une Wyświeć. lettre. Odkrywam teraz Ah oui, pozostałe c'était ça, literki ok. 10, 10, 10. 10. Wiem już, jakie pary cyfr odpowiadają za te litery w całej depeszy. Dobra nasza. Ta depesza jest nadana z Odessy. Nazwa tego miasta musi się gdzieś znajdować w zakodowanym tekście. Może teraz warto spróbować poszukać podwójnej litery S. Chercher un double S. Kolejny grzebień. Pradelok się już nie uczesze. Chercher un double S. Ben, du coup, ta, ta, ta. On a 33, 35. De 23. Ah, Tym c'est razem peut-être. muszę znaleźć dwie takie same pary cyfr obok siebie. Oui, je sais, j'ai compris, monsieur, mais. Alors 52 et 52, ils sont pas à côté là malheureusement. Ouais, c'est dimanche, on y va tranquillement. Hein. Vous les voyez, vous? 35 11, 35 11. Muszę natychmiast poinformować dowództwo, że złamanie bolszewickich szyfrów jest możliwe. Ah, c'était ça. Mais qu'est-ce qui lui fournit le peigne en fait? Powinienem nadać prośbę o pilne spotkanie do podpułkownika Karola Baudescua. On jest szefem oddziału informacyjno-wywiadowczego. Ah non, pas une réunion. Envoyer un télégramme. Tu sais l'envoyer toi ou c'est moi je l'envoie tout seul? Je l'envoie tout seul. No dobrze. Zaczynamy Ah, zabawę z monsieur panem Morse. Morsem. Ok. Faut envoyer ça. Prosopilnus pot. Voilà. Alors, P. Non, attends. Ok. R. Pierwsza litera z głowy. Ok. Doskonale. O. S. Dalej. Z. Ok, E. Suivez les cours le E. Hein. C'est un O. P. I. Touk, touk. L. N. On est en immersion là. Hein. R, ça fait un petit smiley. Alors le S. Doskonale. P. Oh. SOS, il est facile parce que c'est 3 points, 3 traits, 3 points. Le T. Ok. K. Le A.
N. Doskonale. I. Pum, pum. E. Et K. Ouais, on est embauché. Yes. To będzie ciekawy dzień. Ouais, demain serait une journée intéressante avec tes réunions. Grzebień nie wydaje się wyrafinowanym narzędziem kryptologicznym. Jednak to... Ah, ils ont du mal avec les cinématiques. Polski wywiad złamał bolszewicki szyfr delegat. Od tej pory wydarzenia nabrały błyskawicznego tempa. W ciągu zaledwie dwóch tygodni utworzona została w sekcji szyfrowej nowa komórka organizacyjna pod nazwą Wydział II Szyfrów Obcych, na czele której stanął porucznik Jan Kowalewski. Do współpracy Jan w łamaniu szyfrów zostali zaproszeni wybitni matematycy, profesorowie Stanisław Leśniewski, Stefan Mazurkiewicz i Wacław Sierpiński. Polski wywiad dostał do ręki potężne narzędzie, które zamierzał wykorzystać. Dépôt de locomotive. Gdy w lipcu 1920 roku zaczęto formować ochotnicze pułki szwoleżerów, wiedziałem, że muszę znaleźć się w jednym z nich. Bo jeśli nie Jan Chludziński, wachmistrz Jan Chludziński, to kto? No, prawdę mówiąc, tak myślał każdy w naszym szwadronie CKM. Nie sądziłem jednak, jak ważną misję otrzymam zaledwie 3 miesiące po utworzeniu 201 pułku. Jest 8 października 1920 roku i nie mam wątpliwości, że Korosteń niedługo będzie nasz. Nasi chłopcy z radiowywiadu przechwycili położenie map sztabowych z rozkładami wszystkich pancerek w okolicy. Ktoś musi dostać się do środka wagonowni w Korosteniu i do sejfu w jednym z wagonów oficerskich. Po cichu. A jeśli nie wachmistrz Jan Chludziński, to kto? Mission d'infiltration. Muszę uważać i przygotować sobie najpierw drogę ucieczki. Appuyez sur C pour vous accroupir. Ouais, comme ça c'est bien. OK. Donc on est dans un dépôt soviétique. Et on n'est pas du tout soviétique. Donc si on se fait attraper, on est mal. Ouh. Il va jusqu'où le soldat là-bas? Ah, il va pas jusque là. Groźny sprzęt. Ale i tak nie może równać się z naszym Zawiszą Czarnym czy huraganem. Des trains blindés. Oh mon Dieu, me fait peur. Ok, il est là-bas. Trouver la clé à la salle des machines, préparer l'issue de secours. Il a fait demi-tour. Alors, dès qu'on... Ah oui, il est là-bas, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait après quand il est là-bas? Ok, il tourne là-bas. Il y a moyen de se cacher là-dedans? Point du tout. Ok. Il va là-bas. Si je reste caché là. La salle des machines, ok, elle doit être au fond.
ils sont deux en fait. Par où on peut passer là? Est-ce que je peux passer là? Non. Ouhou. Faut trouver la clé à salle des machines ou de la salle des machines? De la salle des machines, ok. Faut pas monter là. Oh mais je vais me faire avoir un sandwich. Petrouchka. Il bouge pas l'autre. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Je crois que je suis U. Je crois que je suis U. Ok. À la limite, est-ce que je pourrais pas courir directement jusque là-bas? Mais où est-ce qu'elle pourrait être cette clé? Elle est peut-être pas. Ou alors faudrait que j'aille voir plus loin à gauche. Reste là, ça va. Ah ouais, ok, lui il part par là pendant que l'autre il part par là. On va le suivre. Tac 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 tac. Ale i tak nie może równać się z naszym Zaliszą Czarnym czy huraganem. Attention. Ok. Ok. Donc lui, il va faire le planton un peu là. J'ai l'impression. Et après, ils se rejoignent tous les deux là-bas. Je crois que quand il dit ça, c'est que c'est perdu. Ok, donc après il revient là. On va essayer par un autre chemin. Je ne cherche que mon quai. Il y a de l'humour dans ce jeu. Donc lui, il est là, l'autre, il est là-bas. Mais... mince. Ah, mais non, tu me vois pas. Je suis cachée. Mais j'ai pas vu de chien, il y avait un chien avec eux? Préparer les suites de secours, distrayer le garde, trouver la poignée en option, quitter la pièce via le réservoir sous pression en option et entrer dans le wagon. Groźny sprzęt. Ale i tak nie może równać się z naszym Zaliszą Czarnym. Ouais, on en est toujours au premier commentaire, je sais. L'autre, il est là, l'autre.
qu'il fout là, lui? L'autre, il est là-bas. Et à un moment où il va bouger, est-ce qu'il tourne, lui? Il tourne pas tout de suite. C'est quoi ça? Ah, c'est la clé. Attends, attends, attends. Prenez. La krew, jeden pilnuje wejścia do wagonu. Jak go wykurzyć? Attendez, 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 je vais me recacher. Donc c'est lui qui garde le wagon. C'est pour ça, à mon avis, que je vais devoir le distraire. Comment le distraire? Je lui fais le French cancan Comment ça se passe exactement? Ok. Ktoś idzie. Hop là. No to zaczynamy. Ferme la porte. Podobno jest to jakiś zbiornik ciśnienia, okay. Który można wykorzystać w celu pominięcia strażników. Réservoir sous pression qu'on peut utiliser pour contourner les gardes. Oh là là, encore une grosse machine à limer les ongles. Est-ce que je suis à peu près tranquille ici? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Va aller voir vers le haut. Cool. Il se passe pas grand chose là-haut. Je peux pas sauter par-dessus ça. Ça servirait à rien de toute façon. Oh, mais on peut sauter par contre quand même. Intéressant. Une poignée. Super. Et on a trouvé une photo aussi. Moteur diesel. Le moteur diesel monocylindre avec un générateur électrique. Alimenté en électricité, le dépôt de locomotive à Korosten. De plus, le compresseur relié au générateur électrique générait une dépression dans le réservoir en acier de l'aspirateur. Ça, c'est des photos historiques, en fait. C'est à partir de ça qu'ils ont fait le jeu après. C'est chouette, hein? Je trouve ça chouette. Ok. Alors... On va placer la poignée. Il n'y a pas beaucoup de place hein, là-dedans. Tarura musi voilà. Mieć koniec z włazem. Tarura musi mieć drugi koniec z włazem. L'autre extrémité avec la trappe. Et je peux pas ouvrir ça. Ah, j'ai trouvé la poignée, mais j'ai pas préparé l'issue de secours. J'ai pas distrait le garde. Est-ce que ça veut dire que malheureusement je vais devoir ressortir? Ils sont un peu trop près là quand même. Est-ce que je peux regarder où est-ce qu'ils sont par là? Ok, lui s'en va. Et lui il reste là-bas pour l'instant. Alors comment je vais distraire le garde? Le moteur éteint attirera sûrement les gardes ici. Ok. Est-ce que je suis caché là à peu près?
Oh, il y a la trappe. Droga ucieczki przygotowana. Ma voie d'évacuation est préparée. Comment je distrais le garde? Normalement, ça va faire un grand pchit à un moment. Là. Ils sont tous là, là. C'est pas le moment d'éternuer. Ok, il continue à fumer tranquillement, lui. Ouais, tranquille, ok. Attention, attention, attention. Ah, évidemment, il faut que ça grince. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Donc là, normalement, c'est mon issue de secours, ça, non? Ou c'est le truc qui va faire pchit? Quand j'éteindrai le moteur, la pression disparaîtra. Ok. J'ai pas encore distrait. Sûrement un truc à faire là-dessus, mais... Ah ah! Ça y est. Ils ont tout de suite remarqué, c'est le moment de filer en douce. Ok, ça c'est le truc que j'ai. Vite, au wagon. Bah voilà, c'était. C'était d'une pierre deux coups. Ouh. Ah, l'infiltration. En vrai, qu'est-ce que ça devait faire peur? Le coffre-fort avec des cartes. C'est par là. Trouver le code du coffre-fort. C'est par là. Ou c'est par là. C'est par là. Ok. Nawet nie zamknięte. Ok, ben nous on va fermer quand même. On a un carnet et en dessous rien du tout. On peut pas passer. Tac, tac, tac. Je trouve que le déplacement est un peu brutal. Un boulier, ok. Qu'avons-nous ici? Balance. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Tiroir. Rien. Trouver le code du coffre-fort. Trouver le coffre-fort. Eh ben, j'ai trouvé ni l'un ni l'autre. C'est le déplacement. Je trouve que le déplacement est hyper rapide. Ouh. Je peux pas tout regarder en détail. Deux,
Cette fois, il se demande. Est-ce que je peux focus dessus, non? Ah, et là, je peux prendre l'image, ça y est. Compartiment d'officier. Voyons voir. Focus. Ah, c'est chouette qu'ils aient reconstitué le truc. Où est-ce qu'il y aurait le coffre-fort là-dedans? Derrière la carte? Le compartiment d'officier dans le train de soutien accompagnant le train blindé. C'est ici que des frappes d'artillerie ont été planifiées et que des tactiques de soutien pour les unités de ligne ont été établies. Ok, donc là on est chez les soviets. C'est quoi ça? La cuisine? Non, ça doit pas être... Ah si, il y a des patates. Tout va bien. Petit truc à découper. Il n'y a rien derrière, hein. Il n'y a pas des codes cachés, des clés collées. Ou la pâtisserie, toujours utile. Przyda się. Train blindé numéro 27 Buria. Wagon d'artillerie du train d'assaut. Le train circulait près de la gare Korosten au début du mois d'octobre 1920. Donc c'est lui. On est dans son entrepôt. Et on mange ce qu'on peut, hein, c'est la guerre. Attends, il n'y a rien, rien. Tiens, il y a quoi là? Przyda się. Cuisine, ce serait utile. Une cuisine salle à manger d'officiers, bien équipée, du train sanitaire. Pendant la guerre polono-bolchévique, ces trains ont été utilisés pour soutenir les trains blindés de combat. De plus, ce train était équipé de wagons d'infanterie, de munitions de réparation et de commandement. La guerre en train. Ouais, mais du coup, on savait pas où ils passaient, quoi. Si on voulait les empêcher de circuler, il suffisait de faire exploser les rails quelque part. Chambre d'officier, c'est fermé. Ouh. Ok. D. Ah, d'accord. Presque. Yes. Crochetage. First try. On a un succès. Ah, c'est coquet par ici. Banquette, bon. Porte-plume. Oula. Elle a l'air revêche, la dame. On a trouvé une note. Focus. N à l'envers, petit R, P et A. Très bien. Ok. C'est le code. Przyda się. Compartiment de médecin-chef. Je veux tout voir. Compartiment de médecin-chef dans un train sanitaire. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire russe a utilisé avec succès des trains hospitaliers et sanitaires qui plus tard ont également été utilisés par l'armée rouge, des ouvriers et paysans pendant la guerre civile russe et la guerre polono-bolchévique.
c'était... Ah, il y avait des bougeoirs. Ouais, c'est la seule source de lumière. Ok. Ils ont refait le même tissu. Oh, ils ont tout refait. Trop bien. Il y a le même tissu. Bon, y aurait-il un coffre caché quelque part? Tiens, encore une photo. C'est qui lui? Chef de train. Il trouve tout utile. Train médical, ta-da-da. Ok. Je regarde s'il n'y a pas, si on voit pas un coffre sur la photo des fois. Où est-ce que ça pourrait être caché? Des fausses poignées. Ok. Comme ça, je vois rien. Ça force, ça force. Ah, c'est du gâteau, piece of cake. Commissaire wojny marynarki, Lew Dawidowicz. Trochę fermé quand même. A to co? Cendrier avec la tête de je sais pas qui dessus. La tsarine peut-être. Ah, ça force. Tête, doucement. Ok. Donc il y avait N à l'envers. Alors comment ça marche déjà? Ok. 2, 3, 4. Il est où le N à l'envers? Il faut que je le mette en haut apparemment. Là, il y a un N à l'envers, ok. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ah, je peux pas sortir. Petit R, P et A. Ouais, c'est ça. Merci, Nico. Ça, le petit R. No proszę, chłopcy z radiowywiadu mieli rację. Les gars du renseignement. Zawsze mają rację. Ouais, on a volé les documents de l'état-major. Mam was na widelcu, gołąbeczki. Z taką wiedzą szybko uporamy się ze wszystkimi pociągami pancernymi w okolicy. Musimy tylko zaatakować w jednym miejscu i nasi chłopcy będą mieli swobodę działania w Korosteli. Wystarczy tylko przekazać te informacje, komu trzeba. Ok, il y a tous les plans, les blindés, les machins, les... Ok. C'est tout bleu. Tunnel. Jestem wachmistrz Stefan Kajderowicz i najprawdopodobniej za chwilę zginę. Cóż ja wygaduję? Zginę, to pewne. I to na moje własne życzenie. Chłopaki z 12 pułku ułanów podolskich już zniszczyli mosty na Mochylance, więc Groza i numer 56 Komunar nie mogą wrócić do Korostenia. Któryś z naszych zdobył marszruty pancerek. Jeden diabeł wie jak.
Chłopaki ze zwiadu wybrali, oznaczyli miejsce i zostawili narzędzia. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wejść, zrobić swoje i zwiać. Proste, w teorii. I Kajderowicz co robi? Zgłasza się na ochotnika. Co mnie cholera podkusiło? No nic, honor drugiego pułku szwoleżerów rokitniańskich w moich rękach. Trouver les marquages, dévisser les voies ferrées, s'enfuir. I uciekać, gdzie pieprz rośnie. I niech się dzieje, co chce. Advienne que pourra. Ouh. Trouvez votre chemin vers le tunnel ferroviaire. Le ciel. Ça fait du bien de voir un petit peu le ciel. Oups. Je pense que c'était pas par là. D'accord. On va peut-être trouver un autre chemin du coup. Ah oui, c'est quoi? C'est une mine avec le fil. Désamorcer la grenade. Comment je désamorce? Ok. Ça aurait pu me tuer. Ah oui, dans une autre vie d'ailleurs. Bon, ok. On est bien. On est un peu mieux. C'est fermé. Oh, on fait encore du crochetage. Ah, ça coince. Là, ça coince. Là, ça coince. Ah. Pas fastoche, hein. Et si je vais plus loin? Non. Voilà. Je vais le bouger en même temps. Il y a une entrée. On va allumer la lampe. Une mine. Pas mourir deux fois quand même. Comment aller là? On peut pas dévisser des briques, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être aller chercher des planches. Petite canne de tout impromptu que je vous ai évité. Est-ce qu'on peut aller chercher ces trucs là? Non, hein. Ah, ça me paraît beaucoup mieux quand même. J'ai ramassé échelle. Poser l'échelle. Bon, j'avais tylko wytrzymała. Comment on grimpe? On peut pas juste monter? Ah. Ok. C'est un petit clic. Toute cette partie-là, il n'y avait pas au début du jeu. Je sauvegardais ça, c'est gentil. Ok, mais c'est de l'eau, ça. Bon, bah, on va visiter, hein. W tych tunelach zmieści się cała konna armia Budionego. Chant d'oiseau. Chant de canari. Ciekawe, gdzie tędy dojdę. Ok. Une grosse lumière par là.
continuer à visiter quand même. C'est le canal, c'est le canal. On peut même y descendre, dis donc. Il y a une pente. Et il y a une petite porte là-bas. Je trouve que c'est un peu plus intéressant. Après, il y a tout ça. On va traverser. Nous, on cherche des rails quand même de base. Alors, est-ce que je peux descendre là, aller dans l'eau, plouf, et passer là-dedans? Je me demande où va cette eau. Bah, tu t'en poses des questions. Oh, c'est quoi ça? Ah, la flotte, la Petrouchka, on a peur de rien. Si vous voulez, c'est la guerre. Hein. Le jeu a été sauvegardé, donc on est sur la bonne voie. Ah, c'est bouché. Des rails, des rails. Et on entend des bruits. C'est gentil d'avoir allumé les lampes et tout. Et même de quoi boire. Je sauvegardais. Ça ne présage rien de bon, ça. Ok. C'est un mineshaft abandonné, ouais. Encore des rails. Et est-ce que c'est bouché? Non, c'est pas tout à fait bouché. On va se faufiler. Chut. Ouais, c'est à l'étroit. J'aurais pas dû reprendre des pâtes à midi. Mais on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh oh! La dynamite! Oh, dis donc. Dynamite dans un tunnel étroit. Et la mèche est très très courte. Bon. Après, c'est un peu une mission suicide, hein, donc on assume le fait que, hein, on va peut-être se dynamiter en même temps que le train. J'ai cru voir passer un truc. Un rat. Ok. Bon, bah, on est reparti. Il y avait un passage aussi de l'autre côté. Ici, flotte plus... notre camarade. Vous connaissez l'histoire du pêcheur qui va faire de la pêche sous la glace avec son chien? Non, je connais pas Nico. Ça me paraît une pêche un peu osée. On va dire autre chose. Alors, allons par là. On n'a pas y été encore. Ah bah là aussi, c'est un petit peu étroit, dites voir. Pour faire le trou dans la glace, il a mis un bâton de dynamite. Donc il l'allume, il la lance.
Et le chien se lance à la poursuite du bâton. Mais non! Et plouf le chien. C'est l'histoire de plouf le chien en fait. Ok. Y a rien qui traîne. En même temps, admirer ces belles concrétions géologiques et ces sédiments et ces couches. Magnifique. C'est pas parce qu'on est en guerre qu'on peut pas admirer le paysage, hein. Mais non. Mais c'est une histoire d'horreur, faudra la ressortir à Halloween. Je commence déjà à préparer l'événement d'Halloween. Trouver un moyen de vider le réservoir. Oh, il y a quelque chose qui brille là. Un truc. J'ai trouvé un truc. Arbre pour mécanisme de drainage. Très bien. C'est dans le thème. Darwin Awards. Ah oui, c'est quoi ça, les Darwin Awards? Ok. Donc là. Ok, je ramasse des trucs. Là, c'est cassé. Et là, je mets l'autre. D'accord, donc j'ai réparé un machin. Et maintenant, on va tourner le robinet. C'est pas juste ça? Of cake encore. Les morts les plus stupides, les Darwin Awards. Pourquoi ça s'appelle Darwin Awards? Il est mort de façon stupide, Darwin? J'en profite. Hein. Ici, c'est bloqué. Là aussi. On va descendre par là. Il est tellement enthousiaste. Il est tellement content d'aller à sa mort. Certaine. Ok. On avance, on avance. Est-ce qu'on va arriver dans la zone... La zone à saboter? Après le décryptage de code secret... L'espionnage, le machin, le vol de trucs secrets. Maintenant, on sabote. Alors, à gauche ou à droite on va commencer par là, tiens. C'est étroit. Ok. Cul-de-sac. S'ils meurent par stupidité, ils ne peuvent pas se reproduire et transmettre à leurs enfants, donc sélection darwinienne. Ah. C'est ce que j'ai fait, je me suis justement baissée. Super. Je vais peut-être éteindre ma lampe.
Il m'a pas vu. Je sais pas comment il a fait pour pas me voir. En voilà un qui a échappé à la sélection darwinienne. On ne sait pas comment. Ok. Wikipédia valide, c'est que ça doit être ça. Ne pas vous faire prendre. Apparemment, quand je suis là, il me voit pas. On va rester baissé. Si je veux traverser, c'est cette petite planchounette là. Et en plus, il la laisse par terre, donc il éclaire très très bien ses pieds, mais il éclaire pas trop l'autre côté, quoi. Donc j'imagine qu'on va devoir aller là-dedans. Allez, cours. Moi, je cours. Je sais pas vous, mais moi, je cours. Je suis arrivée à quelque part. Ouais, je suis arrivée quelque part. On va renlever la lampe. Je sauvegardais, super. Faut que j'aille là-dedans, là-dedans. Il bouge pas, lui. Est-ce que je peux pas traverser là-dessus? C'est un petit peu hasardeux peut-être, mais je me demande si je pourrais pas faire l'équilibriste là-dessus, parce que si je passe là, il va me voir, non? Ok, il y aurait moyen. Là, il y aurait carrément moyen. Est-ce qu'on peut? Ah non, ça passe pas. Pourtant c'est cassé là. On peut pas passer là. Oh, mais il se déplace tout d'un coup. Une petite envie pressante. Où sont les toilettes? Oh, peut-être. Ok. Je vais descendre. Est-ce que je peux descendre là? Non. Je vais me planquer là. Est-ce que je peux me planquer là? Ouais. Chut. Chut, chut, chut. Ne dites plus rien. Ne regardez même plus Wikipédia. Allez, il nous voit son poste. Il a un peu bu, non? Il vient voir, donc il faut pas non plus traîner à gauche ou à droite. Oh, du pâté. Construction d'un barrage d'eau. Et après il y a des lettres barrées, donc je sais pas comment on les prononce. Hop, j'éteins. Je me retrouve là. C'est quoi ces échafaudages? Mais c'est quoi cette bouteille de lait? Oh là là. Ah, c'est lui? D'accord. Est-ce que je peux descendre là? Oui. Oui, je le peux. Ok. Attention de ne pas faire de trop gros plouf quand même. Sauvegarde le jeu, mais doucement, quoi. Hop, 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 hop.
hop, 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 hop. Mais regarde ça, mais quel acrobate. Pas étonnant que selon les récits officiels, on ait gagné la guerre. Ça, c'est des vrais décors. Enfin, c'est des décors d'après la réalité. Bon, peut-être pas les échafaudages eux-mêmes, mais tiens, maintenant qu'on est tranquille, d'ailleurs, on va regarder la photo. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, mais j'ai une grenade aussi. On va peut-être pas s'en servir tout de suite si on est discret. Construction d'un barrage d'eau sur Solapora. Mais je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un barrage d'eau lourde. Il est formé sur le socle rocheux, selon le projet du professeur Gabriel Narutowicz et l'ingénieur Tadeusz Becker pour la société franco-polonaise à Varsovie. La hauteur finale du barrage doit être de 37,3 mètres et sa longueur de 260 mètres. Eh ben, on construit un barrage à travers des tunnels, ok. Ah, mais il y a un garde là aussi. Je pense qu'on va pouvoir descendre par là, mais est-ce qu'il va bouger lui? Et à partir de où il peut me voir? Il n'y a pas moyen de monter là-bas, j'ai l'impression qu'il faudra vraiment passer là-dedans. J'ai pas forcément envie d'utiliser une grenade, c'est pas hyper discret comme, comme principe. Ses assouplissements. Un esprit sain dans un corps sain. Allons explorer. Surtout ne te retourne pas. Ok, là il me voit plus. Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Pas un passage des fois? Mais si. Ça me va beaucoup mieux que de passer devant le garde ou de lui faire une clé au bras, un truc, je sais pas quoi, d'étranglement. Ça me va beaucoup, beaucoup mieux. Je sauvegardais, ça aussi ça me va. Ok. Là il s'éloigne. T'es tout seul mon petit gars. Oui je sais que cette eau est froide. Enfin t'es polonais franchement t'es pas frileux normalement. Alors il y en a un autre là. Est-ce qu'on voit un escalier? C'est sombre hein. C'est terriblement sombre. On peut ne pas se faire reprendre là. Peut-être juste en se cachant derrière ces trucs là comme ça. Pas bouger, pas bouger. Je
qui va tourner la tête. Je crois qu'il a tourné la tête. Ah. Il n'aura pas le Darwin Award celui-là. Par contre, moi... Ok. Cette eau est froide. Ouais, je sais. Alors, par contre, est-ce qu'il me verrait si je me cachais sous sa planche à lui? Là. Et vu que ma lampe n'est pas allumée... Est-ce qu'il y aurait moyen? Attention. Ah, oh, les yeux. Ok. Ça a l'air pas mal. Ok, il va aller jusque là-bas. Là, le temps d'avancer encore un petit peu. Et après, il y a son collègue. Alors, on va rester là un petit peu, là. Wouhou. Coucou. Son collègue, il regarde de l'autre côté. C'est là que toute la vérité va être faite. Est-ce que les Athéniens vont s'atteignir? Il vient pas jusque là? Bon, attends. Je risque de me faire reprendre. Eh, mais là, il n'y a pas de passage, là. Que je suis obligée de passer il me voit pas là? Ah non, il me voit pas. Ok, monsieur Miro, bon pour le service. Je sais que cette eau est froide, sors de là. Donc maintenant il faut peut-être attendre juste le moment où il va aller de l'autre côté. Comment on peut monter en fait? Par où on peut monter? Il n'y a pas d'échelle là nulle part. Il n'y a pas d'échelle... Je devrais être caché par là. Il y a un escalier ici. Mais ça, ça a l'air de boucher le passage. Ok. C'est pareil, je vais me faire voir. Ah, il est là l'escalier, il est là l'escalier. Est-ce qu'il me voit si je fais ça? Mais non,
je suis caché. Ok. Donc faut vraiment aller vite. D'accord. Donc l'escalier est là-bas à gauche. Ah oui, là, c'est pas très discret. Tout doucement, c'est exactement ce que j'ai dit. Bon. Alors, est-ce qu'il faut aller moins doucement pour le prendre de vitesse? Mais le prendre de vitesse, et après se cacher où, en fait? Ah, ou alors on se cache... juste en face de l'escalier. Alors, où est-ce que j'ai là déjà? Voilà. Et au prochain coup, on va là-bas. Que tu nous es passé dessus. Oh. Mais genre, il m'a vu là. Par contre, je sais pas où on va après. Comment il fait pour me voir? Ouais, nous... Bon, c'est quand même de l'infiltration. Faut pas que je cours dans l'eau. J'ai pigé. Comment vous feriez, vous? Déjà, je m'accroupis. Je vais essayer de le suivre le plus loin possible. Pour être le plus près de l'escalier possible. Ok, là il s'arrête, je me cache. J'attends qu'il passe. Peut-être que je vais aller un petit peu plus loin parce que ça suffisait pas tout à l'heure. Voilà, il est passé. Là je peux aller un tout petit peu plus loin. Je suis toujours cachée, mais là je suis en face de l'escalier. Je vais attendre qu'il repasse. Normalement, il va pas me voir à travers les planches. Et je vais y aller tout doucement en m'accroupissant. Une fois qu'il aura fait le demi-tour, parce que là, c'est vraiment le bout de son trajet. Et une fois que je suis là, je peux aller là. Mais en quoi ça m'avance ? Est-ce qu'il me voit Ah ouais, j'arrive à la passerelle, ok. J'arrive à la passerelle. Je dois aller de l'autre côté, ouais, ouais. J'ai compris. J'arrive à la passerelle. L'autre, il se retourne pas du tout. Elle n'a pas l'air super motivée par son boulot. Ok. Hop. Je me penche. Je me baisse. Il fume, tranquillou. C'est très bien. Ok, même chose. Tout à l'heure, j'aimerais bien passer là-dessus, mais... Alors, il garde quoi, en fait? Faut que j'aille où, après? Il n'y a pas tellement une sortie de son côté, donc je pense que je dois être du bon côté. C'est pas très bien de fumer tranquillou. Bah, pour moi, c'est très très bien, tu vois. Excellent, même. C'est le jeu qui le dit. Ah, il garde rien du tout, lui. Par contre, il y a un collègue là-bas.
un collègue qui fume et un collègue qui se déplace. Le collègue qui se déplace risque de me voir, mais peut-être pas si je reste sur ce quai. Il y a une montée là. Il y a une sortie là. Comment on l'atteint? Ah, je peux passer par là peut-être. Ou un bel escalier, je veux. On va allumer la lampe. Un vrai luxe. Du coup, on contourne par là, on arrive à la passerelle, et là, on arrive où? On arrive... C'est quoi ça, un mécanisme? Oh, un mécanisme. On va voir ce que ça fait. Pas si vite. On a un crochet. À quoi ça peut bien servir? C'est une petite grue manuelle en fait. J'imagine qu'il faut aller là. Oh, est-ce que je peux pêcher le garde? Ce serait cool de pêcher le garde. Ouais, mais si je le pêche, il va peut-être crier. Est-ce qu'il va crier? Plus l'actionner, ok. On va aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Maintenant qu'on sait qu'on a une grue par là. On éteint la lampe. Okay. On a un petit promontoire ici. M'a pas l'air bien solide cette passerelle. Bon, on va l'explorer. Mais nous, on vient de là en fait. C'est la passerelle que j'ai prise. Je suis passée par là, non? Ça y est, je suis perdue. Bon, c'est pas grave. Chut, tout doucement. On va attendre qu'il passe. Non, on est des fous. Hop là, et demi-tour sur place. Impeccable. Brillamment exécuté. Si, si. Attends, je
Je sais plus, j'arrive de là ou... Ah non, je suis là. Ah oui, donc c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut que je fasse les trucs. Ok, donc on voit qu'il y a la grue de l'autre côté. On va se reculer un petit peu pendant que l'autre fait son demi-tour. En ce temps-là, buvons un coup. Dans ce jeu, on fume, on boit. C'est les années 20. C'est la guerre. On s'arrête pas de détails. Comment ça, ils m'ont vu? Pas du tout. Ils m'ont pas du tout vu. C'est Miro et compagnie là-dedans. Je peux pas courir en étant accroupi. Ils peuvent pas me voir là. Non, ils me voient plus là. Ok. Donc je peux descendre là. À quoi ça pourrait me servir ? Continue par là. Il y a encore quelqu'un. Est-ce qu'il y a moyen de passer Je vais voir si je peux pas passer en dessous. Dans l'eau. Il y a une passerelle aussi de l'autre côté, mais je sais pas si c'est très sûr de l'emprunter. Je vais lentement parce que je suis accroupie. Hop là. Je me désaccroupis. Je me raccroupis. Se cacher là. Hop. Ok, restons accroupis. Je vais passer par là-dessous. Sous la passerelle, ça cache un peu quand même. Ok. Avançons comme ça. Demi-tour, droite, gauche d'ailleurs. Il y a une grille au fond. Ok, on poursuit. J'ai pas raté un escalier des fois qui pourrait être utile. C'est que c'est un peu sombre et je sais pas pourquoi, mais j'ose pas allumer ma torche. Hop là. Alors. Là, c'est fermé par une grille. Si je me colle là, est-ce qu'il me voit? Normalement, il me voit pas. Par contre, il y en a un autre là-bas derrière. Ah là. Là, on est dans l'inconnu. Si on se colle bien au mur, il devrait pas nous voir quand même.
L'autre, il en est où? L'autre, il peut pas nous voir non plus. On va se faufiler. Cette eau est toujours froide. Et moi, j'ai pas trouvé de sortie, là. C'est fermé. C'est totalement fermé. Je pense que la grue devrait avoir un usage aussi là-bas, mais lequel? On peut pas monter là. On peut pas monter là, genre. Ouf, ça a fait comme un plouf. Salut! Dos droit, le regard fier. Regarde tout droit surtout. Et pas par terre. Bon, bah j'ai l'impression que ça c'était un petit peu raté. C'est quoi ce truc qui flotte là? Un truc qui flotte dans l'air. On nous a mis une belle planche pour descendre dans l'eau, donc je vais rester dans l'eau quand même pour l'instant. Il y a éventuellement moyen de passer là, mais on sera derrière le garde. C'est pas une position très confortable. Et sinon, bah, on arrive dans les alentours de la grue. Qu'on pouvait plus utiliser. Est-ce que je peux monter par là? Monter là non plus. Bon, bah alors il nous reste la passerelle. Le problème c'est qu'il y a quelqu'un juste là. Puis il n'y a pas que jusque là qu'il y a quelqu'un. Ok. La famille Miro a trouvé un bon emploi. Bon, on va voir si l'autre, il fait partie de la même famille. Ok, il fait pas partie de la même famille. Il tourne la tête parfois, lui. Ouais. Ouais, vaguement, hein. Pas très longtemps. Mais de toute façon, à quoi pourrait servir la grue? Il n'y a personne. Genre là, pareil, ouais. Non, faut vraiment s'infiltrer par le bas, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ceux qui sont là? Ou alors je retourne voir la grue?
Je peux retourner voir la grue vite fait. Peut-être un truc que j'avais pas bien vu. Ouais, parce qu'en fait, le truc c'est que je sais pas trop où est la sortie. Alors voyons voir. On va rallumer ça. Là on est à la grue, mais tout à l'heure ils ont dit pas si vite. Il m'a vu, c'est fini. Ok. Et ça tourne que un petit peu comme ça. Il m'a pas si vu que ça en fait. Une fois qu'elle est tournée, on peut plus la bouger. Ouais, elle est plus active. Et quand on a perdu, il m'avait fait ce jeu sauvegarder, il l'a remise en place. Là, il y avait quoi déjà? Ah oui, on arrivait là. C'était le début. On est arrivé par là. Donc si on actionne, enfin quoi que, si on actionne la gauche ou la droite, la poignée, ça fait la même chose. Ça bloque la grue par là. Il dit qu'on le voit. Donc si je fais le tour, je peux descendre par ici. Si je traverse, lui me voit. Ça aurait été bien que je le accroche, que je le jette dans l'eau, que je fasse un truc. Par contre, en me faufilant, je peux aller largement jusque là pour descendre. Mais quand on est par terre, ça ne nous arrange pas beaucoup. Parce qu'on ne peut pas monter là. Et si je vais devant lui, il va me voir un petit peu quand même, je pense. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. Je vais rallumer la lampe. Bonjour Arctique. Comment ça va? On est dans un jeu d'infiltration qui reconstitue une partie de la guerre entre la Pologne et la Russie, enfin et l'URSS, en 1920, dans des décors avec des machines et des processus qui ont vraiment existé. Et là, on est en phase d'infiltration. Il y a peut-être des trucs à ramasser en plus derrière lui, je sais pas. Moi, dans mon idée, on distrayait le garde avec la grue, d'une certaine façon,
il sortait de, de sa place et du coup on pouvait passer. Mais je suis pas du tout sûre si que ce soit la bonne hypothèse. Moi ça va bien. J'aime bien les jeux historiques. Voilà, donc là on peut redescendre. J'éteins la lampe. Et on se retrouve en face. La grue est juste là. On va se reculer un peu pendant qu'il passe. SOS. Mais ne m'a pas vu. Il fait son moonwalk. Tranquille, voilà. Elle sort, elle sort. Si je vais plus loin là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner un truc intéressant? Est-ce qu'il va me voir, lui? Tout à l'heure, il ne me voyait pas de l'autre côté du quai. Ouais, pas l'air de me voir non plus. Ah, c'était par là, je sauvegardais. Doucement, doucement, doucement. Donc, tant pis pour la grue pour l'instant. Donc on a ce garde-là et on a ce garde-là qui bouge aussi. J'y suis crachée. Ah, mais après, je vais où? Donc, il y en a un là. Il y en a un là. Mort de chèvre une fois. Ah bon? Je sais qu'il y a des sentinelles partout. Les sous-titres sont parfois étranges. Je dois les enlever d'une manière ou d'une autre, les mécaniques. Les... Après, je peux envoyer une grenade loin. Ça sert à quelque chose que j'utilise une grenade. Tourner l'objet. Focus. Non. Ouais, une grenade de 1920, messieurs, dames. On va pas l'utiliser. Okay. Mort de chèvre une fois encore. Là, il bouge pas, lui. Il faut les occuper, je sais pas comment. Ah, regarde ce qu'il fait, lui, avec sa grue. A besoin de quelque chose à faire. Comment je peux l'occuper? À part jeter des objets loin, je sais pas comment faire, moi. Distraire le soldat de la porte. On a passé cela. C'est une autre grue. Peut-être que la première, c'était pour nous montrer qu'il y avait des grues qu'on pouvait actionner. Okay, j'ai l'impression que
À droite, c'est bon. Il va se retourner. Non, il se retourne pas. Comment je fais pour actionner la grue? Ça me ferait une passerelle en plus. Est-ce qu'il y aurait moyen de passer dans son dos sans qu'il me voie? Parce que là, je ne peux pas tellement descendre en fait. Si je descends, je ne peux pas remonter. Ok, s'il ne bouge pas plus que ça. Et bonsoir Albator, comment ça va? Merci pour l'abonnement, 14e mois. Merci beaucoup. On s'infiltre. Chut, chut, chut. Ah, j'ai... Choléra. Je sais pas comment ils traduisent les jurons polonais, mais c'est assez drôle. Après mort de chèvre une fois, choléra. Bon, on est là. On s'infiltre. Alors, je vais vous refaire le pitch pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Nous sommes en 1920, pendant la guerre entre la Pologne et l'URSS. Après la Première Guerre mondiale, donc les Russes ont fait partie des gagnants, et il y a eu la Révolution russe et tout, les Soviets, ils ont voulu... annexer la Pologne. La Pologne ne s'est pas laissée faire. Il y a eu une guerre entre 1919 et 1921. Et finalement, la guerre s'est terminée. Les deux parties ont déclaré qu'ils étaient vainqueurs. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Pologne n'est pas devenue soviétique, mais que l'URSS a réussi à avoir des territoires polonais, annexer plusieurs territoires. Donc ils sont tous les deux très contents d'être gagnants. Et là, ce jeu, il a été fait par le ministère du Souvenir, je crois, pour glorifier leur victoire polonaise. Et en fait, ils ont reconstitué un épisode de la guerre pendant laquelle ils ont réussi à craquer des codes soviétiques. Et à s'infiltrer et à faire exploser des trains blindés soviétiques. Donc il faut que j'occupe le garde de la porte, mais le garde de la porte, il est très loin là-bas. Il y a une passerelle là aussi, je peux pas l'utiliser deux fois. Je vois pas trop comment. Ah ouais, tu dois les enlever d'une manière ou d'une autre. Mais je peux pas genre monter là-dessus. Non. Ouais, bah je fais super attention. On va essayer de courir par là. Enfin, on va peut-être le faire en deux fois d'ailleurs. On va aller par là et puis après par là. Et on va se cacher derrière les caisses là. Aller beaucoup plus loin que ça. Vite, 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 stop. Ok. On est à peu près caché, surtout si je me mets là. Le garde, il est là-bas. La grue. Voilà. Maintenant qu'on sait faire marcher les grues. Allez, on va aller là-dedans. Ça me paraît très bien. On va même allumer notre lampe. Il y a un superbe escalier en briques, c'est bizarre. C'est bizarre, il a... Ah ouais, ouais, ok. Ils ont fait ça. D'accord. Peut-être des briques moulées pour faire un escalier en kit.
On va éteindre la lampe. Je sauvegarde. Ils ont besoin de jeter ce fer à repasser. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Je pense que les soldats russes sont pas les seuls à avoir bu un petit peu avant de prendre leur poste. Mais bon. Ok, donc ça, ce sera peut-être la porte de sortie. On va aller voir la grue. Le bruit que ça a fait. Allez, on y retourne. Il est où le trou? Là. Tombe pas dans l'escalier. Place aux jambes. Tac, 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 tac. Je peux pas passer là? C'est pas un peu abusé, ça? Dépêchez-vous d'aller à la porte. Ben, genre... Ok, voilà comment on rate le jeu. Ah mais non, bah il fallait que je reste là-haut en fait. J'avais bien deviné, ok. J'avais bien deviné, je me suis pas cru. Voilà, ça c'est beaucoup mieux par là. Maintenant ou jamais. Elle ouvre la porte. Là. Yes. Ferme la porte. Verrouille la porte. Yes. Adieu, messieurs les bolcheviques. Nananère. Est-ce que ça va nous être utile? Non. Il a l'air fraîchement maçonné. Yes. Bah justement, j'ai de la dynamite. J'ai de la dynamite. Il faut que j'aille la chercher. Tout à l'heure, j'avais pas besoin d'aller la chercher. Non, normalement, c'est bon. C'est peut-être là qu'il faut que je le mette. Ah. Ouais, place aux jambes quand même. Du coup, c'est pas discret du tout, mais vu qu'ils m'ont déjà repéré. Que gardait-il ici? Faut couper la chaîne? Quelle chaîne? Cette chaîne-là? Y a pas des trucs... Ah, voilà. Je prends. Ce n'est certainement pas pour les ongles. Cette clé est là. Ok. On va mettre la lumière. Il faut que je repère les rails. Je sais pas de quel côté il les a marqués. Il y a des rails et des trucs qui ont été marqués. C'est pas de ce côté-là, bien entendu, hein, une chance sur deux. Avant que le train arrive. On va se faire écrabouiller, mais d'une belle façon. Je peux pas aller plus loin là non plus. Ok. Bon, il a fait une marque qui s'efface ou quoi ? C'est exactement ce que je me disais. Je vois pas de marquage. Où est-ce qu'il a fait les marquages? Ah, là, il y en a un là. Muszę rozkręcać tam, gdzie był znak. A nie to. Pourquoi merde?
Est-ce que celui-là, il est bon du coup? Je crois qu'on va se faire écraser. Je sais pas combien il y en a à faire. Cette clé est juste là. Ok, donc le premier, il est pas loin. Ah, il faut que je les fasse tous en fait, bien sûr. Je pensais qu'il avait préparé le travail. C'est fini? Je vais me faire écrabouiller, moi. C'est de justesse, hein? Et voilà. Le rôle du renseignement radio polonais pendant la guerre soviétique. Bon, glorification nationale, hein, bien sûr. C'est un jeu du ministère. W jakim stopniu przyczyniło się to do wygranej wojny? Czy cud nad Wisłą byłby możliwy bez talentu i determinacji oficerów z biura szyfrów oraz zaproszonych do współpracy matematyków z Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego i Lwowskiego? Przez dziesiątki lat osiągnięcia polskich służb specjalnych były starannie ukrywane. Dziś już wiemy, że zapoczątkowana wówczas współpraca uwieńczona została w przyszłości jednym z największych sukcesów polskiego wywiadu. Złamaniem szyfrów maszynowych niemieckiej Enigmy. Enigma. Za swoje zasługi Jan Kowalewski w 1922 roku otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti. Et voilà. Wręczając go, generał Władysław Sikorski powiedział: to za wygraną wojnę, panie kapitanie. Voilà. Bon, selon Wikipédia, personne n'a vraiment gagné la guerre. Ils ont pas trop perdu, quoi, les Polonais. Ils ont perdu quelques territoires. Et ben voilà, c'était un super jeu. Enfin, j'ai trouvé. Et la bonne surprise, c'était les sous-titres français. Apparemment, ils sont assez récents. Donc moi, la dernière fois que j'avais... Enfin, je l'ai essayé deux fois, ce jeu. La première fois, il était que en polonais. Il n'y avait que la première partie quand on remet le diesel en route et la radio en route. La deuxième fois, j'ai pu faire... C'était en anglais, entièrement en anglais. J'ai pu faire dérailler le train, mais il n'y avait pas toute la grande infiltration là dans les tunnels. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'autres trucs non plus. Et puis voilà, donc maintenant il est complet et gratuit, et aussi en VR, gratuit aussi. Quand on arrive à faire la guerre, l'humanité est toujours perdante. Bah ouais, c'est aussi mon avis. Tout à fait. Story lover, watch all in-game videos without skipping. Non, non, on n'a pas skippé, non. Et ben voilà. Bon, ça aura fait un live un peu plus court aujourd'hui. Le jeu est un peu plus court. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais vous dire à très bientôt. Là, c'est la rentrée est en train de se mettre en place. Donc, j'ai un peu un emploi du temps bousculé. Mais j'espère faire comme l'année dernière, c'est-à-dire liver au moins 3 jours par semaine. Au moins 2 jours. Si possible, 3 jours par semaine. Et peut-être mieux, plus si c'est possible. On verra bien. Merci Petrouchka. Merci Nico pour le cœur. Et bonjour Syncope. Et au revoir, parce que je termine le live ici. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, c'est un jeu que j'avais envie de vous faire connaître. J'espère que tout va bien de votre côté.
Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et portez-vous bien en attendant. Attention, 3, 2, 1, bisous à tous.